Et la Palme d'Or cette année est attribuée à une famille singulière vivant de petits larcins qui recueille une petite fille battue et livrée à elle-même. Ce chef-d'œuvre de délicatesse marquait la cinquième participation à la compétition canoise de Kore-eda, qui avait déjà obtenu un prix du jury en 2013 pour Tel père, tel fils. Il s'agit aussi de la cinquième Palme d'Or japonaise après La Porte de l'Enfer, Kagemusha, La Ballade de Narayama et L'Anguille en 97. Une affaire de famille succède à The Square de Ruben Östlund.